été coupée en deux pour permettre au basket d'évoluer dans la deuxième partie. Celle-ci est réservée à la gymnastique, je vous ai dit, 37 000 spectateurs et les places sont extrêmement chères et ont été prises d'assaut par les Américains. Voici au Cheval d'Arçon, l'un des candidats aussi à la finale olympique que nous vivrons dans 4 jours. Oui, on retrouve à Takeda Yoshaki, le japonais, spécialiste à cet engin aussi, qui fait de nombreuses finales. Voilà, dans un mouvement très complexe de combinaison sur un arçon, il enchaîne et multiplie les cercles. Le corps doit être parfaitement allongé, ce n'est pas tout à fait son cas. On voit qu'il touche de temps en temps le cheval, et ça, ce n'est pas excellent. Le passage en ciseaux, c'est un passage qui est obligatoire pour tous les gymnastes. Il accroche un petit peu. Hein. Voilà les cercles Thomas avant la sortie qui monte jusqu'à l'équilibre. À Takeda donc, qui était médaillé au championnat du monde à Sabaé l'année dernière et qui obtient...